Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Ce soir, on est reparti pour un petit peu de Minecraft. Alors quelques petites précisions avant de commencer. Donc déjà, au niveau du son, on était à 35. Pour tout ce qui est volume principal, je pense qu'on va simplement laisser comme ça. Mais du coup, j'ai baissé à 18, peut-être même aussi 17. Et la musique encore un petit peu, je pense. Parce que vous m'aviez dit que le son est un petit peu fort. Après aussi, on m'avait dit que le son des créatures était un petit peu élevé aussi. Donc on va mettre à 25. Je pense que ça devrait aller. Deuxième précision. Nous sommes désormais en 1.19 puisque la mise à jour est sortie. Il y a absolument peu de temps. Donc ça doit se jouer à 2-3 semaines. Donc là on n'est plus en 1.18.2, on est en 1.19. Ceci explique cela. Et du coup, vous pouvez vous en douter, mais je n'ai plus le shader. Puisqu'en fait, c'était un shader qui était fait pour la 1.18.2. Nous sommes en 1.19, et bien le shader n'est plus compatible. Donc ça va être un petit test. Je vais jouer sans shader pour cet épisode 3. Et vous me direz en commentaire si vous préfériez avec ou sans shader. Pour vous donner une petite comparaison, vous n'avez qu'à regarder l'épisode 2 où j'utilisais justement le shader. Je sais plus trop c'était lequel, mais allez checker l'épisode 2 ou l'épisode 1. Et dites-moi si ça vous dérange que je joue sans. Et d'ailleurs à l'inverse, si vous voulez que je le remette, il n'y a aucun souci. Bref, ceci étant dit, on va reprendre là où on en était, donc c'est-à-dire l'exploration de cette grotte. Ok. Ah, pour rappel, je me souviens avoir galéré à voir ce qu'il y avait devant moi. Avec le shader, justement. Le shader qui rendait bien sombre la grotte, justement. Là on a un Enderman. Très bien. Je sais plus trop où j'en étais au niveau de l'exploration. Alors, ce qui est sûr, c'est que la grotte est immense. Ça c'est un fait. Un fait tout à fait avéré. En tout cas, on va simplement se récupérer de l'argile, ça peut être pas trop mal. Ok. Argile qui est parti un petit peu en cacahuète. Je pense que ça peut être pas trop mal d'avoir ça non plus. J'aime bien ce biome, je pense que c'est l'un de mes biomes préférés dans la mise à jour 1.18.2. Mais du coup, tu t'en doutes, si la 1.19 est sortie, il y a peut-être désormais une chance de croiser le Warden, qui est l'un des nouveaux mobs de cette mise à jour. Ok, bon, on va essayer d'avancer intelligemment, déjà en termes de stuff. J'étais pas encore excellemment bien. J'aimerais bien me faire une petite issue de secours au cas où je regarde dans les yeux
C'est moche. Prendre du bois avec une pioche. Écoutez, quand on est pauvre, il n'y a pas trop le choix. Mais vous en faites pas. C'est temporaire. C'est temporaire. Attends, j'ai tout. J'ai même du poisson. Monsieur. Quel enfoiré. Monsieur. Simple. Toujours le fichu.
ça c'est la hantise de tous les bûcherons. Je me ferai pas voir deux fois. D'ailleurs, je suis en train de prendre du bois ici, alors qu'en fait, j'aurais pu tout simplement aller au niveau de la mine abandonnée. Il y avait du bois. Des fois, je réfléchis pas. Ça c'est vrai. Voilà. Et ça, je pense qu'un petit saut, ça pourrait être pas mal. Bon, alors écoutez, on va aller explorer sans se casser la figure. Ah ouais, c'est ça qui est un spawn. Faut absolument que je le détruise. Non, je vais le neutraliser déjà. Est-ce que je vais trouver des choses intéressantes ici? Bon, le cuivre, c'est sympa 5 minutes, mais... Même le fer, hein, ça commence à être un peu... Bon, rébarbatif. Ce qui va être intéressant, c'est de trouver des coffres pour justement... J'aime pas cet endroit, c'est oppressant. Pour justement essayer de trouver du stuff intéressant. Mais avant toute chose, ça va être hyper important de neutraliser tout ce qui est spawn. Et je pense notamment au spawn d'araignées venimeuses. Ça, c'est le mal absolu. Ça peut te ruiner tes explorations. En tout cas, dès que j'en vois une, ça dégage quoi. Ah oui, aussi un autre truc que je vais faire, c'est que je vais créer des sortes de balises pour pas me perdre. Je sais pas si je suis le seul en fait à faire ça, mais... En fait là, typiquement, ce que je fais, c'est que je mets ici un bloc en évidence au niveau d'un carrefour, et je mets une torche qui indique bah, finalement la direction, ce qui fait que quand je suis loin, admettons ici, bah, je sais que c'est par là. Hop. Voilà, c'était mon petit tips de survie. Et en fait, ça m'a vraiment servi. Enfin, ça m'a vraiment sorti de sacré pétrin des fois. Ça pour le coup. Bon, lui, on va le tuer. Si je peux éviter de le faire exploser, ça m'irait. Et là, on a une salle. Soit carré, ok. Ah, c'est beau.
Franchement, c'est grave beau. Avec une pelle, ça peut le faire. Bah c'est bien. Peut-être même créer une sorte de plateforme pour passer. On va surtout éviter le spawn. De flèche. C'est bizarre qu'il ne me voit pas le creeper. Allez, come on. J'ai d'autres chats fouettés. Hop. Bon, ça reste gentil pour le moment. Ça reste gentil. Ça pourrait être chouette utile, hein, tu me diras. Tac. Même les barrières en soi, hein, pour faire des enclos, je pense que ça pourrait être. C'est tout le bois aussi. Bon, ça c'est une autre histoire. Pendant le confinement, quand j'avais le temps. Ok. Bizarre cet endroit. Alors ça. J'ai cru voir des sortes de. C'est qu'il n'y a pas une seule araignée qui a spawné pendant tout le temps où j'étais là. Ça c'est bizarre, je trouve. Enfin ouais, bizarre. Important d'avoir la vision. Ok, et eh bah ben, écoutez, let's go, on continue. c'est le pire ça. Je sais que il y a une balise ici, donc c'est bon. Je ne suis pas perdu. Hop. Et puis, bam, bam. Là, je sens que ça va chauffer. Je sais pas pourquoi. Ah ouais. C'est grand. C'est très grand. Ces grottes. Très très bizarre. Ah c'est... J'ai l'impression de faire... Bah tu sais quoi, vas-y, tout explose. C'est pas trop grave. Je vais en profiter pour prendre un peu de charbon.
je viens de... Je viens de là. Ouais, on est encore arrivé sur un truc assez gros. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. C'est une encre de poulpe. Bizarre ici. Je sais pas ce que je pourrais en faire de ça, mais pourquoi pas. Donc ça tombe. C'est bizarre, je sais pas où je suis encore tombé là. Et toujours pas de coffre. Ils veulent pas. Ils ne veulent pas me donner de coffre. Salut. Ah, par contre, j'entends un petit. Je vais d'ailleurs mettre un balise, comme d'hab. Et puis, bah let's go, on continue. Je pense que là... j'aime pas trop ce genre de config. J'ai l'impression d'être hyper oppressé là, tu vois. Parce qu'en fait, ça m'a un petit peu terrorisé la dernière fois quand je me suis fait victime par un petit zombie. Vous savez quoi? On va jouer la carte. Est-ce qu'on joue la carte de la... Attends, je peux pas mettre. T'es mal le fourbe. T'es mal. C'est bien sympa cet endroit, mais... Je l'ai vu. Oh, je l'ai mis une esquive. Oh là 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 là. Il doit y avoir un spawner, non? Il doit y avoir un spawner, je pense. Ça me semble louche. Je pensais vraiment que j'allais tomber sur au moins un coffre quoi. Là, ok. Et par là, qu'est-ce qu'on a de beau? Oh là, déjà il y a un. Vous savez ce qui me manque? C'est. Qu'est-ce que j'allais dire? C'est. Parce que, en fait, j'ai pas beaucoup d'ennemis, on va dire, d'adversaires qui m'embêtent. Par contre, les squelettes, ça m'embête beaucoup, ça. Je vais simplement... Par contre, j'ai pas de fer sur moi, donc je vais devoir, hop, créer une petite fournaise. Et...
Et j'ai pas non plus de charbon. Jean-Michel Organisation, le retour. Alors il me faudrait un ou deux charbons. Dans mes souvenirs, j'en avais juste là. Si mes souvenirs sont bons, je suis peut-être qu'un. Ah bah voilà. Et vous savez quoi? J'ai une bonne mémoire. Hop. En plus, ça pousse de l'XP, donc c'est parfait. En plus, vous voyez l'état de ma pioche là, ça commence à être compliqué quoi. C'est ouf. Je sais pas si c'est lié à la mise à jour, mais c'est quand même bizarre de pas avoir de coffre. Ou alors j'ai vraiment, vraiment pas de chance, quoi. Ok. Ok. Bah écoutez. Parfait. Je vais me refaire. Je vous invite à le faire hein, si vous avez déjà trouvé une grotte comme ça, je peux vous assurer que ça vous change la vie quoi. Tu vois, là au moins c'est logique, tu arrives là, tu sais où tu vas quoi. Là par contre, ouais. En plus c'est des fourbes, hein, ils ont fait exprès de faire des labyrinthes de ouf là, juste pour vous perdre. Donc évidemment, dans ces conditions, il faut se protéger quoi. Mais toujours pas, hein. De toute façon je pense que je suis revenu au point de départ mais j'ai perdu un petit peu espoir de trouver une
ça a l'air intéressant par ici. Ça a l'air d'être bien. Ah, c'est bien. Tu peux, vas-y, explose, frère. Le bon respect. Ah, par contre, ça. Oh là là, j'ai failli. Alors là, j'ai failli faire la grosse boulette là. C'est pas grave, vas-y, explose. C'est pas grave, franchement, et ça vaut carrément le coup. Come on. Tac, et puis là, voilà, une petite tournée de ward quoi. Et voilà, bon. Voilà, vous pourrez pas dire que on n'a pas été à la baston. C'est devenu monnaie courante. Avant de choper les ressources, je vais vraiment sécuriser le lieu. Voyez-vous? Ah ouais, mais en fait, j'ai l'impression que c'est vraiment... Tout est lié, en gros. Ça, je pense que ça mène à la crevasse où on est, enfin, qu'on avait vu une fois. Ah purée, mais merde. Il y a combien de creeps? C'est un petit peu chiant cette histoire. Il y en a encore un là. On se gratte le nez. Petite pause, grattage de nez. Il y a un satané squelette. Ah ben voilà. Et en fait, je suis bête parce que en fait, j'ai carrément mon bouclier quoi. Je sais pas pourquoi j'ai peur de lui. Ça fait partie des nouvelles grottes.
C'est ouf. J'ai une source de nourriture infinie. On va prendre de la redstone. Alors la redstone, utile pour les tout ce qui est un petit peu circuit et tout ça. C'est pas urgent d'en avoir, mais ça va m'être utile par la suite. Que ça fera l'objet de la prochaine vidéo. Là, on va oh, c'est parfait ça. Ah, oh, trop bien. Ça va me permettre de faire des pistons collants. Parce que j'y arrive. Hein. Ouais, c'est bon, j'ai réussi. J'ai eu deux slime balls. Je pourrais faire des pistons collants, donc des petites portes secrètes. Ouais, c'est pas mal ça. C'est un endroit où peuvent spawner les slimes. Hyper intéressant. Bah écoutez, on va retourner déposer notre stuff. Et on va se laisser. Quoique non, on va peut-être même se laisser ici. Hein. Quoique, est-ce que je saurai la prochaine fois où j'étais? Se laisser là avec notre ami le squelette. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, notamment concernant le shader. J'attends vos retours en commentaire. Et puis on se dit à très vite pour la suite, puisqu'il y aura une suite, bien sûr.